Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Nem. Aujourd'hui on se retrouve avec Ice, salut. Salut. Et aujourd'hui on va passer à un level supérieur dans Draconic Evolution. Je suis tombé, hein, tranquille. Donc aujourd'hui on va créer du coup le Storing Energy, voilà. Bon accent. Pas ici parce que c'est notre base. Non, mais dans du coup dans notre gros truc qu'on décorera un jour. Autant on le décorera un jour, mais je suis pas très très déco, donc je ferai appel à un builder sûrement. On verra bien, peut-être l'un d'entre vous. Hein. Non, je suis là aussi. Ouais, exact. Donc aujourd'hui, oui, je voulais enchanter ça avec vous. J'ai oublié, donc on va y aller de ce pas. Donc on se retrouve tout de suite pour l'enchantement et ensuite pour commencer. Bah, créer ce stockage. A tout de suite. Ok, donc oui, les amis. Donc re les amis, pardon. Bah écoutez, on va enchanter notre notre pioche. Donc on va tester ça tout de suite. What? Je suis pas level 30. Il y a un bug de... Attendez. On va aller taper du Wither parce qu'il y a un problème d'affichage du coup des... Enfin, des XP, donc il faut juste que j'actualise ça. C'est quand on change de dimension, hein, à ce que j'ai remarqué. Donc je vais juste gagner un peu d'XP. Voilà. C'est bon, j'ai mes 43 levels. On va pouvoir enchanter cette petite... bah, cette petite truc, hein, je sais pas, je saurais pas le dire. Donc, let's go. Est-ce qu'on va être chanceux? Bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Ok. Efficacité 4, fortune 3. Franchement, c'est parfait. Et je crois que du coup, on instant débloque. Ouais, bon, j'appelle ça. Ouais, c'est bon, ça. C'est parfait, ça. Donc, tac. Bon, pour le reste, on s'en fout. Donc, je vous retrouve dans la base pour faire du coup le système de Draconic Evolution. Ok, donc, alors, donc, on va faire un truc très très simple. Donc là on va faire du coup le système de stockage d'énergie. Donc vous avez vu, j'ai farmé pendant je sais pas une petite heure. Enfin le temps de miner, enfin j'avais tout miné mais il fallait que je craft etc, c'est un peu chiant. Donc on va prendre tout ceci et on va s'amuser. Donc écoutez, je vais construire ça et je retrouve juste après, à tout de suite. Ok, donc donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on va l'activer ensemble. Donc du coup il y a Ice qui l'a déjà vu. Ouais, c'est aussi. Donc on va l'activer tout de suite. Mets-toi dessus pour que ce soit. Tac. Voilà. Ça ressemble à ça. Bon par contre, niveau vidéo setting, ça me met mal. Mais voilà, ça ressemble. Ça te fait bugger quand t'es dedans. Bah c'est normal, c'est que c'est sphérique, mais ça reste. Enfin, c'est des particules de partout, donc c'est bizarre. Mais voilà, donc écoutez, c'est trop cool. Ok, donc voilà. Donc maintenant, c'est bien beau, mais donc maintenant, on va avoir tout ça d'énergie. Donc on a 2,14 Tera de RF. Et donc, pour remplir ceci, il va nous falloir un bloc. Et donc je le craft et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Ok les gars, il me reste un seul Eye of Ender. Ça me fait plaisir parce que j'avais la flemme. Oh, je suis trop content. J'ai deux Enderpearls que je t'ai foutu dans ton truc. Yes, merci. Putain, oh, c'est trop bien. Ah non, je les ai là. Je te fous deux Enderpearls dans ton quarry. Ok, très bien. Right. Je les ai fait en mignon. Oh putain, Ice, tu verrais la joie qu'il y a dans mon cœur. Ok, et donc là, il va me suffire de le poser un peu n'importe où. Mais on va essayer de le poser de façon... T'as beaucoup d'Iron Chest quand même, toi, non? Non, bah j'ai besoin de stocker, mec, t'as vu? Juste le nombre de... Comment ça s'appelle? De marbre. Ouais, mec. Et de basalte, gros. Enfin, c'est dingue. T'as 81 000 de marbre. Donc, tac. Donc, les gens, regardez, ici, il va juste falloir que je mette de la glace. Tac. Excuse-moi, ils sont juste... Je fais ça. Et donc, il y en a un qui va falloir... Donc, lui, on va le faire sortir de l'énergie. Et lui, on va le faire rentrer. Donc, je relie tout ça par câble et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Ok, donc voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, ça y est. Bah, écoutez, ça augmente les RF. Donc, bah, écoutez, c'est parfait.
Et si je veux recharger un de mes équipements, attendez, faut juste que je consomme un peu. On va aller faire 2-3 trucs. Enfin bref, tac, 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 tac. Ok. Donc, si je veux recharger un de mes équipements, regardez. Donc ici, je vais ici sur la table. Et hop, et comme vous voyez, ici, ça a absolument pas bougé. Donc c'est tout à fait instantané. Et ça, c'est très très cool. Donc voilà, donc ça va s'accumuler pendant masse de temps. Et écoutez, je sais pas combien de temps ça va faire l'épisode pour l'instant, mais aujourd'hui, enfin, pour l'instant, c'est parfait. Donc, alors là, on va faire quelque chose qui s'appelle le jetpack. Donc, j'en ai vraiment besoin et ça commence à me saouler parce que j'en ai pas. On tourne quand même assez tard, hein. Non. Non, 1 h du mat, mais c'est pas grave. Oui. Donc voilà les gens, alors là on va avoir besoin du vibrant jetpack. Donc je vais farmer pendant 70 000 années les ressources nécessaires et je vous retrouve juste après, à tout de suite. Ok re, alors beaucoup de choses se sont passées. Déjà j'ai le tier 2, donc je crois que je sais plus si je vous l'avais montré. Voilà. J'ai mis des cryostabilized flux duct là-bas. Ça coûte super cher, surtout qu'il y a besoin d'une ressource avec un mineur, je sais pas quoi là, vous savez, je l'aurais dit au montage, voilà. Donc bon, c'était Nem, j'espère que cela vous aura plu. Ciao.